Présente, je suis Marie-Laure Châtelard, je suis la responsable de service. Je suis Paula Vanessa, je suis la psychologue du service. Donc on se rencontre aujourd'hui car on a reçu une demande qui vous concerne. Donc c'est la MDPH qui vous a proposé un accompagnement par notre service. Aujourd'hui je vais vous présenter le service, ses missions, comment il fonctionne. Et puis on abordera votre situation, vos besoins et vos attentes par rapport à l'accompagnement. Le service d'accompagnement à la vie sociale de la MIF accompagne des personnes qui sont orientées par la MDPH. Il s'agit d'un public adulte qui va actuellement de 18 à 65 ans. Nous accompagnons environ 120 personnes qui vivent à leur domicile, en Meuse. Nous accompagnons des personnes avec des types de handicap très différents. Nous avons des personnes qui présentent par exemple une déficience intellectuelle, d'autres ont un handicap psychique, ce peut être un handicap sensoriel, physique. Le SAVS a pour objectif de soutenir la personne dans la réalisation de son projet de vie, tout en respectant son rythme. Il vise à favoriser l'autonomie de la personne, l'insertion sociale et l'épanouissement personnel. Nous sommes là pour écouter la personne, l'aider, la soutenir. Nous aidons les personnes à être plus autonomes. Nous ne faisons pas la place. L'accompagnement se fait en général sur plusieurs années. C'est toujours soumis à l'accord de la MDPH. L'accompagnement prend fin lorsque les objectifs définis avec la personne ont été atteints. Il y a aussi d'autres motifs, comme le non-respect du règlement de fonctionnement, par exemple. Chaque personne accompagnée bénéficie d'un suivi individuel avec une référente éducative, qui est la personne de l'équipe référente dans l'accompagnement auprès de la personne. Au sein de l'équipe, nous avons 7 référentes éducatives, une psychologue, 2 personnes sur le volet animation et vie sociale, des assistantes administratives, un directeur et moi-même en tant que responsable de service. L'équipe se déplace au domicile des personnes, mais également dans d'autres lieux convenus avec la personne accompagnée. L'accompagnement peut porter sur des axes très variés. Sur le volet logement, beaucoup de personnes accompagnées souhaitent déménager. Nous pouvons leur apporter un soutien pour construire leur projet en premier lieu, définir leurs critères. Nous pouvons aider les personnes à instruire des dossiers, les accompagner à des visites de logement. Au niveau administratif et financier, le SAVS peut aider à la compréhension de certains documents administratifs, aider pour le tri des documents, aider à la réalisation de certaines démarches, donner des conseils pour la gestion d'un budget. Le SAVS aide à développer l'autonomie dans les déplacements, par exemple en expliquant les itinéraires, ou en apprenant à la personne à utiliser des transports en commun, ou même accompagner par rapport à un projet de permis de conduire. Sur le plan de l'alimentation, le SAVS peut aider à développer l'autonomie pour la préparation et la prise des repas, aider pour élaborer une liste de menus et de produits par exemple, et réaliser un accompagnement éducatif lors des courses. Sur le volet de la santé, nous veillons à la mise en place et à la continuité du suivi médical. Nous pouvons accompagner des personnes à certains rendez-vous médicaux, quand elles ont des difficultés de compréhension ou des appréhensions particulières. Par rapport à l'emploi, nous pouvons faire le point sur le parcours d'une personne et l'orienter vers un dispositif d'accompagnement adapté. Notre accompagnement est personnalisé. Il est différent pour chaque personne accompagnée. Il tient compte des besoins et des capacités de chaque personne. Nous accompagnons les personnes dans leurs projets tout en respectant leurs souhaits et choix. C'est très important. L'équipe du SAVS travaille en collaboration avec de nombreux partenaires autour de la personne afin de définir la place de chacun. En complémentarité du suivi individuel, le SAVS propose des activités de groupe afin de faire progresser la personne dans son autonomie, à la sortir de son isolement, à favoriser la socialisation. C'est un des domaines d'intervention du SAVS à part entière. Ce peut être un levier pour lever les freins. Ces activités aident la personne à cheminer dans ses projets, à favoriser l'ouverture vers l'extérieur. Les thèmes sont définis au regard des besoins et des attentes des personnes. Les objectifs des activités et ateliers visent toujours à faire progresser la personne dans son autonomie,
affirmation de soi, ouverture vers l'extérieur, socialisation. C'est proposer des activités dans un but éducatif, toujours en lien avec le projet de vie de la personne. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non. Si vous n'avez plus de questions, on va se réunir en équipe pour discuter de votre situation et voir si le service est pertinent pour répondre à vos besoins. On reviendra vers vous dans une quinzaine de jours à peu près. Ça vous laisse aussi le temps de réfléchir si vous souhaitez être accompagné par notre équipe ou si vous ne souhaitez pas. Alors, je vous laisse ma carte. Vous n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Moi, je vous rappelle sous 15 jours pour vous dire si effectivement...